Le jour se lève sur le manoir du Catel. L'imposante maison forte témoigne de l'âge d'or du Moyen-Âge normand. D'emblée, je vois que c'est un joyau qui ne demande qu'à être restauré. Et puis on découvre l'horrible nouvelle, donc la mérule, 7 foyers de mérule actifs dans le manoir. Et puis le commun arrière, alors là c'est la guerre, c'est-à-dire qu'il y a des forêts d'arbres qui poussent à l'intérieur, le mur se délite par mètres carrés entiers. Là on se dit qu'il y a un chantier absolu d'urgence pour sauver l'un des plus beaux manoirs normands. Catel n'est pas seulement un monument, c'est un document, parce que 3000 graffitis couvrent les murs du manoir, des centaines sont classées d'importance majeure. Le bois est un matériau qui malheureusement s'abîme. Ici, retrouver une porte d'époque, c'est vraiment exceptionnel. Au terme de près de 20 ans d'efforts, le monument est enfin sauvé. Le manoir du Catel a reçu en 2013 le grand trophée de la plus belle restauration de France.